Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal le 9 mai 2022 à 19h30. Donc, à l'ordre du jour, au point 1, adoption du règlement numéro 597-2022, modifiant le règlement numéro 465-2013 sur le colportage et les vendeurs itinérants afin de prévoir une exclusion pour les unités mobiles de restauration. Au point 2, adoption du règlement numéro 598-2022, modifiant le règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances afin de prohiber les feux d'artifice dans les limites du site patrimonial de Percé. Au point 3, adoption du règlement numéro 599-2022, modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification pour certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables pour les droits d'accès quotidiens au parc municipal de la Rivière aux Émeraudes. Au point 4, offre d'achat à la Fabrique Saint-Michel de Percé, terrain situé sur le lot 5 084 239 à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Sainte-Anne. Au point 5, poste saisonnier, service d'urbanisme et de gestion du territoire, 5.1.1, manœuvre, horticulteur-horticultrice. Au point 5.1.2, manœuvre, préposé à l'entretien sanitaire, pavillon des Grandes Marées et promenade de la Grève. 5.1.3, manœuvre, poste vacant. Au point 6, poste saisonnier, parc municipal de la rivière Émeraude, 6.1.1, coordonnateur-coordonnatrice des parcs et loisirs, 6.1.2, préposé à la guérite, 6.1.3, agent de stationnement, 6.1.4, agent de sécurité terrain. Au point 7, comité jeunesse de Cap d'Espoir, demande d'aide financière, suivi de la période de questions. Nous n'avons pas besoin de proposeurs puisque c'est une séance extraordinaire et l'ordre du jour est tel que l'avis de convocation. Alors, au point 1, adoption du règlement numéro 597-2022, modifiant le règlement numéro 465-2013 sur le colportage et les vendeurs itinérants afin de prévoir une exclusion pour les unités mobiles de restauration. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement, a été donné à la séance ordinaire du 3 mai, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement modifiant le règlement numéro 465-2013 sur le colportage et les vendeurs itinérants afin de prévoir une exclusion pour les unités mobiles de restauration a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui présenté lors de la séance du 3 mai, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, concernant les informations données sur l'objet du règlement. Donc, en conséquence, il est proposé que les conseillères et conseillers adoptent le règlement numéro 597-2022, modifiant le règlement numéro 465-2013 sur le corportage et les vendeurs itinérants. La nouvelle venue des nouvelles unités de restauration pourraient être considérées comme des vendeurs itinérants puisqu'ils n'ont pas d'adresse civique. Alors, c'est une exclusion pour ce règlement-là, pour les permettre. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rey, merci. Ici, Madame la mairesse, des unités de restauration qui sont sur le domaine public municipal. Oui, sur le domaine public municipal. Merci de la précision. C'est un autre de l'autre, parce que l'autre fait référence. Oui, vous pouvez venir à la fin pour les questions. Mais je vais vous en parler à la fin, vous allez comprendre. Oui, bon, on s'en reparle tout à l'heure, monsieur. Au point 2, adoption du règlement numéro 598-2022, modifiant le règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de prohiber les feux d'artifice dans les limites du site patrimonial de Percé. Écoutez, ça dit ce que ça dit. Donc, c'est vraiment le cœur du village de Percé, donc l'arrondissement naturel. Nous avons reçu un avis, des recommandations provenant de la CEPAC, entre autres pour les colonies d'oiseaux, les oiseaux qui sont là. Évidemment, nous avions reçu beaucoup de plaintes aussi par les citoyens l'année dernière dans l'usage un petit peu plus excessif, je dirais, qu'on avait vu par les années précédentes. Donc, c'est un règlement que nous adoptons ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 3, adoption du règlement numéro 599-2022, modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification pour certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables pour les droits d'accès quotidien au parc municipal de la rivière Émeraude. Madame Vivard, je vous laisse 6 points. Oui, encore là, c'est le règlement tel qu'il a été déposé. Oui, c'est le règlement tel qu'il a été déposé le 3 mai dernier. Donc, le règlement prévoit que pour les enfants de 12 ans et moins, c'est toujours gratuit, comme ça l'était.
Pour réguliers, plus de 12 ans, 10 $ taxes incluses. Pour les familles de 7 personnes ou moins dans un même véhicule, c'est 30 $ taxes et redevances incluses. Et pour un groupe organisé de 15 personnes ou plus, c'est 8 $50 par personne, taxes incluses. Très bien, merci Madame Hubert. Ce que j'ai proposé. Évidemment, ça exclut les personnes résidentes et propriétaires. Oui, évidemment, les résidents percés ont toujours le droit d'accès. Je propose. Merci Madame Réel. Au point 4, offre d'achat de la Fabrique Saint-Michel de Percé, terrain situé sur le lot 5 084 239 à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue du Mont-Saint-Anne. Donc, je vais lire la résolution complète. Après, je donnerai d'autres explications. Donc, considérant que l'Église Saint-Michel de Percé représente l'élément central autour duquel la ville de Percé développe son projet Espace culturel et des congrès de Percé, visant à créer un lieu pour la tenue de congrès professionnels et d'activités événementielles. Considérant que par résolution adoptée le 5 mai 2020, la Ville de Percé acceptait l'offre de la Fabrique Saint-Michel de Percé de se porter acquéreur de son église. Cette acceptation étant conditionnelle à l'obtention par la Ville du financement requis pour les interventions qui seront nécessaires pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment et sa conversion en espace de congrès. Considérant que les études réalisées par des professionnels mandatés par la Ville dans le cadre de l'élaboration de ce projet ont révélé que des interventions à court terme étaient essentielles pour sauvegarder l'intégrité du bâtiment, plus particulièrement la réparation des pinacles. Les pinacles, c'est les quatre petites clochers là, qui sont sur les quatre petites tours sur le dessus du clocher. Considérant que la réduction du taux d'humidité dans le bâtiment et le chauffage sont également indispensables pour ralentir sa détérioration, considérant que la Fabrique Saint-Michel de Percé ne dispose pas de toutes les liquidités lui permettant de réaliser les travaux requis, d'acquérir les déshumidificateurs appropriés pour un tel bâtiment et de supporter les frais de chauffage, considérant que la Fabrique est propriétaire d'un terrain vacant situé à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Sainte-Anne, connu comme étant le lot 5 084 239 du cadastre du Québec, considérant que la vente du dit terrain permettrait à la Fabrique de disposer d'une bonne partie des sommes nécessaires aux interventions mentionnées ci-dessus. Considérant qu'un évaluateur agréé a établi la valeur marchande de ce terrain à 72 000 $ considérant qu'un montant de 65 000 serait nécessaire à la Fabrique pour compléter les sommes requises pour l'exécution des travaux sur les pinacles, l'achat de 7 déshumidificateurs et leur fonctionnement sur une période de 2 ans, ainsi que pour couvrir les coûts de chauffage sur une année. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé offre à la Fabrique Saint-Michel de Percé d'acheter son terrain connu comme étant le lot 5 084 239 du cadastre du Québec pour un montant de 65 000 $ Qu'en cas d'acceptation de cette offre par la Fabrique, la mairesse et la greffière soient autorisées à signer et que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, comme je l'explique dans la résolution, comme il est mentionné dans la résolution, la Fabrique, depuis 2 ans, n'a pas pu faire de levée de fonds. Donc, en liquidité, la Fabrique, pour eux, c'est pas possible de faire les réparations nécessaires. On a eu l'idée ensemble, donc avec plusieurs rencontres avec le comité administratif de la Fabrique, de faire l'acquisition de ce terrain-là. Pour la municipalité, c'est pas une dépense qui est risquée. La valeur du terrain vaut plus cher que la valeur marchande qu'on va l'acheter, que la valeur qu'on va offrir. Et ça va vraiment permettre de faire les travaux qui sont vraiment d'une extrême urgence. Donc, toutes les études de maçonnerie, les infiltrations d'eau, tout ça fait en sorte que c'est important. Alors, c'est une bonne entente, je pense, qu'on a eue. Les gens de la Fabrique sont contents parce que présentement, évidemment, la Ville n'est pas propriétaire de ce bâtiment-là. Puis, comme je mentionne, la Fabrique n'a pas les fonds de roulement nécessaires. Donc, c'est une bonne entente pour en arriver à une solution, finalement, assez gagnante. Alors, voilà pour cette explication ce que j'ai proposé. Je propose. Merci, Mme Caillette. Au point 5, poste saisonnier, service d'urbanisme et de gestion du territoire, donc 5.1.1, manœuvre horticulteur-horticultrice. Donc, suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir au nouveau poste saisonnier de manœuvre, horticulteur-horticultrice, il est proposé au conseiller de procéder à l'engagement de Mme Suzanne Bourgette pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Que j'en propose à? Merci, M. Côté. Au point 5.1.2, manœuvre préposée à l'entretien sanitaire, pavillon des Grandes Marées et promenade de la Grève.
Donc, c'est un nouveau poste qui est affiché également. Suite à l'affichage à l'interne pour pouvoir un nouveau poste saisonnier, été de manœuvre préposée à l'entretien sanitaire, pavillon des Grandes Marées et promenade de la Grève, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Brenda Huard pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. 5.1.3, manœuvre poste vacant, donc suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir un poste saisonnier vacant de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Il est proposé de procéder à l'engagement de M. Jocelyn Ouellet pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liée à la Ville à ses salariés. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 6, poste saisonnier parc municipal de la Rivière-Émeraude. 6.1.1, coordonnateur, coordonnatrice des parcs et loisirs. Donc, on n'a pas eu de candidat, il n'y a pas d'embauche qui va procéder, mais on va procéder à un nouvel affichage. Donc, il n'y a pas de proposition ici. 6.1.2, préposé à la guérite. Donc, suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir deux nouveaux postes saisonniers de préposé à la guérite du parc municipal de la Rivière aux Émeraudes, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Rexford Deschaines et de M. Christian Paquin pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, Mme Réel. 6.1.3, agent de stationnement. Donc, suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir trois nouveaux postes saisonniers d'agents de stationnement au parc de la Rivière aux Émeraudes, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Bruno Lapierre, M. Tim Marcoux et M. Danny Nicolas pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 6.1.4, agent de sécurité terrain. Donc, suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir deux nouveaux postes saisonniers d'agent de sécurité terrain au parc municipal de la Rivière-Émeraude, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Tommy Bourne-Duguay pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rail, merci. Au point 7, comité jeunesse Cap d'Espoir. Donc, suite à une demande d'aide financière pour la reprise des activités, entre autres, du comité jeunesse, donc qui s'occupe, entre autres, là, Joujoutech et le soccer, évidemment. Donc, une demande de financement a été faite. Alors, il est proposé d'accorder au comité jeunesse de Cap d'Espoir un montant de 1 000 $ pour la reprise des activités dans le secteur de Cap d'Espoir, mais évidemment qui invite les jeunes de partout à venir participer. Oui. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 7? Merci, Mme McHale. Alors, voilà pour l'ordre du jour aujourd'hui. S'il y a une période de questions, c'est le moment. Bonsoir, Gilles Blanchet, citoyen de Percé. Oui. C'est ça. Moi, il y a une chose, pour l'instant, qui me chicote. La restauration ambulante. Je ne sais pas pourquoi c'est une nuisance. Pour des raisons sanitaires ou pour des raisons que ça nuit au restaurant? C'est pas une nuisance au sens que vous l'entendez, là. C'est qu'il y a le règlement des nuisances, qui est un grand règlement, qui veut dire les nuisances sur les terrains. Mais le colportage est interdit. Et là, évidemment, on voudrait pas que les camions de restauration soient considérés comme une nuisance. Donc, c'est pour ça qu'il y a une exclusion au règlement pour les permettre sans qu'ils puissent être interprétés comme une nuisance. Ben alors, vous parlez de camion, mais si c'était une petite voiturette ou une affaire même. En tout cas, moi, je veux porter à l'attention des gens que c'est pittoresque que vous allez dans un pays exotique, il y a des petites bouillouilles un peu partout, puis c'est pittoresque. Ben, on enlève ça de facilité. On les enlève pas, on les permet. Non, on commence avec les camions.
On les permet, on permet les camions de restauration, ce qui n'était pas prévu. Non, on les permet. On a une nouveauté dans notre village. Non, ben, c'est le règlement que j'ai pas compris. Il n'y a pas de souci. Okay, c'est pour la période de questions. Okay, ça met un peu de. Oui, on les permet. Il va en avoir quatre. Bon. Il va en avoir deux qui vont être au cœur du village. Les restaurateurs sont bien d'accord avec ça. Oui, absolument. Puis on a fait une rencontre. On a fait d'ailleurs... Attends, je finis mon... Il y en a deux au cœur du village. Il va en avoir un à la plage de Cap d'Espoir, à la Halle Troutière, et un à Coin-du-Banc aussi, à la plage, à côté de la Halle Troutière. Et dans le règlement, ce qu'on avait... Puis là, je vous l'annonce ici, parce que je vous ai pas revenu là-dessus. Depuis la semaine dernière, on a fait une rencontre avec les restaurateurs sur le sujet. Cette année à Percé, là, il va y avoir une grande problématique au niveau de la disponibilité de l'alimentation. Vous êtes tous, on en avait discuté, là. C'est juste que depuis la rencontre avec les restaurateurs, dans le règlement, on avait demandé à ce que les deux du village soient autorisés à compter de 8 heures le soir pour le reste de la soirée, quand il n'y a presque plus de restaurants. Mais là, avec la rencontre avec les restaurateurs, il va manquer 412 places assises à Percé cet été. 412 versus l'année passée avec la fermeture de certains restaurants. Dont deux autres qu'on n'est pas certain parce qu'il manque de personnel, ça se peut qu'il y en a deux de plus, donc on serait à presque 600 quelques chaises de moins. Donc unanimement, là, les restaurateurs qui étaient présents ont dit on enlève les heures. Là. Fait que finalement, je l'annonce ce soir sans résolution, on y reviendra, mais ils vont être permis dans toute la journée. Là. En fait, selon leur horaire. Là. Puis les restaurateurs étaient vraiment sans problème parce qu'il y a vraiment une réelle problématique. Là. Voilà. Okay. Fait que, on y revive l'expérience. Non, bravo, tout est bien, tout finit bien. Merci, Monsieur Blanchet. Il y a un petit machin truc, là, moi, qui m'énerve un peu. Là. On ne permet pas pour les feux d'artifice. Ça, on essaie de... qu'il n'y en ait pas. C'est dans le cœur du village, on va essayer. Okay. Maintenant, ça ne sera pas simple à faire respecter. Ça, est-ce que je comprends bien que c'est pour faire attention aux petits oiseaux? Entre autres, parce qu'il y a vraiment eu des études de fait sur le sujet, mais beaucoup les citoyens, parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes. Oui. Il y a tout le monde aussi. L'hélicoptère, ça dérange peut-être les petits oiseaux, puis la ronde. Bien, il n'y a pas d'études là-dessus. Il y a eu de l'opposition qui garde ça. Rien donné dans le beurre. C'était pas la municipalité qui pouvait régir ça, M. Blanchette. OK. À Megan. Hein? Au provincial? Au fédéral. À Justin Trudeau? Oui. OK. On va aller. Transport Canada. Puis finalement, on voit que l'opposition s'est assagie. Vous gagnez votre pièce. Vous n'avez jamais pensé faire des bingos? C'est payant. On n'a pas le droit de faire ça, M. Blanchet. Ah, quand on n'a pas le droit, on pose des lois. Voilà. Ben non, mais les lois, elles viennent du gouvernement. Avec la pièce, là, c'est pas très. C'est illégal, mais. Mais c'est légal. Vous êtes une première dans la province. Monsieur Blanchet, vous savez, là, la rue La Fontaine, je vous donnerai un exemple. Là, ça fait partie d'infrastructures municipales. Il y a des dépenses à faire dans la ville de Percé, lesquelles le budget municipal ne nous permet pas. Le gouvernement provincial nous donne des nouvelles possibilités d'aller chercher des revenus autres que dans vos poches. C'est ce qu'on fait. Il y a dans même pas, là. Bon, bien, pour l'instant, ça va être. Merci. Bonjour, bonjour. C'est encore moi. Ce soir, ben, dans le fond, j'arrivais avec une question, mais finalement, écoutez, j'ai plus qu'une question. J'aimerais savoir si le conseil, dans le fond, a eu la chance officiellement de discuter au niveau de ce qui a été amené ben, par les commerçants et citoyens la semaine dernière, mardi. Ce qui était de statuer, dans le fond, sur un moratoire, est-ce que vous avez eu la chance d'en parler ou ce qu'on a entendu dans les médias, c'était uniquement, dans le fond, l'opinion personnelle d'une seule personne? On a eu le temps d'en discuter. OK. Donc, votre position présentement, ce serait quoi? Est-ce que vous êtes ouvert ou pas du tout? On poursuit la démarche. OK. Puis ensuite de ça, dans le fond, si on proposait des discussions... Monsieur Lafontaine, je vais juste vous dire le décorum d'une séance publique. Vous pouvez poser une question à quelqu'un, mais en principe, la question s'adresse à la mairesse. C'est comme ça que ça marche dans le décorum. Je vais poser les questions à qui que je veux, puis vous présidez l'Assemblée présentement. Il va falloir qu'on vous remette à votre position, bien important à ça. Parce que l'intimidation non plus n'a pas de l'intimidation, M. Lafontaine. C'est le décorum. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne vise pas moi, inquiétez-vous pas.
Ensuite de ça, j'aimerais savoir, parce que la dernière fois, vous avez avoué comme quoi le règlement avait été traduit en anglais, mais aujourd'hui, j'ai appelé à la ville, puis on m'a dit dans le fond que c'était... Je pensais qu'il était fait, honnêtement, parce que... Un acte de paternité. Ouais, mais il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Je vais vous laisser répondre, oui? Ben merci. Il n'est pas traduit en anglais, effectivement. On n'est pas tenu de le faire. C'est tous les documents d'information, tous les accompagnements, tout ce qui a été fait pour les commerçants a été traduit en anglais, mais pas le règlement, parce qu'on n'est pas tenu de le faire. Puis il n'y a aucun commerçant. D'ailleurs, prochainement, si les changements sur la loi 101 sont adoptés, on n'aura même plus le droit de les traduire. Ça, c'est en... c'est pas adopté encore. Je suis un peu sceptique, puis j'espère que ça n'arrivera pas, mais la communauté anglophone représente quel pourcentage ici de la population percée? Autour de 20-quelques% de selon... Fait que 20-quelques% des gens sont pas informés de ce qui se passe. On n'est pas tenu, on est une municipalité unilingue, on n'est pas tenu de redresser. Les documents l'ont été, par exemple. Tous les documents l'ont été. Mais pas le règlement, dans le fond. Quelqu'un, exemple, qui voudrait... Exemple un peu anglophone qui habite ici, continuez, à Percé. Continuez, posez vos questions. Ah, ben c'est ça, c'est une question, dans le fond, puis j'ai le droit de l'adresser à qui je veux. Puis, vous adressez les questions à la mairesse. Un peu anglophone. Vous adressez les questions à la mairesse, M. Lafontaine. Un peu anglophone qui est ici, dans le fond, 20% de la population peut-être n'est pas apte à pouvoir interpréter ce règlement-là, puis vous, ça vous dérange pas? On a donné tous les documents, M. Lafontaine. Donc, un peu anglophone ne peut pas lire des documents en français. OK, c'est bon. On a dit qu'on a donné les documents. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal que les commerçants, présentement, se fassent appeler puis se fassent mettre de la pression à savoir, dans le fond, s'ils sont pour le règlement, dans le fond, s'ils sont pour les coupures de postes ou s'ils sont pour l'augmentation des taxes. Est-ce que vous trouvez que c'est des appels qui sont normales? Non, je pose la question à mairesse, mais je vous regarde parce que vous aimez répondre. Non, je répondrai pas. Oui, je le sais, parce que ça paraît vraiment mal. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, parce que Gilles a posé une bonne question au niveau de l'hélicoptère. Vous parlez souvent de compétences municipales. Un aérodrome, ça fait partie de vos compétences, êtes-vous au courant? Mm-hmm. Donc, pourquoi là-dessus, vous faites rien? C'est quoi votre question, là, encore, M. Lafontaine? Tabarouette, hey, c'est compliqué. OK, vous savez comme quoi toute piste d'atterrissage, que ce soit d'un avion ou d'un hélicoptère, fait partie des compétences municipales. Vous en servez souvent, là, vous parlez souvent des compétences municipales. Moi, je les ai lues, puis je sais de quoi ça parle, il y en a 8. Puis, justement, le transport et ou la catégorie aéroportuaire, là, ce qui veut dire une piste d'atterrissage d'hélicoptère et ou d'avion, fait partie de vos compétences. Mais pourtant, la ville de Saint-Eustache et de Longueuil ont complètement banni le même genre de principe d'une piste d'hélicoptère qui était directement dans un quartier industriel. Puis vous, vous répondriez quoi à ça? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un aérodrome? C'est ça votre truc? Ben, c'est peut-être quoi, votre... ailleurs. Peut-être ailleurs, oui, parce que ça pourrait rentrer dans la catégorie arrêtez-moi ça, là. Non, mais c'est parce que je vous pose des vraies questions. C'est Transport Canada qui régit les droits en hélicoptère. Puis la ville, elle a un zonage permis, mais c'est pas là que ça se passe. C'est pas nous autres qui décidons ça, là. C'est beau. Je vais vous amener les documents, je les enverrai par email, puis j'espère avoir une réponse, parce que vous allez effectivement être au courant que c'est parmi une de vos compétences. Donc, je vous informe si jamais les restants des gens n'ont pas été au courant. Ensuite de ça, au niveau du 800 000 $ qui sert au niveau de la... Ben, pas de la redevance touristique. Dans le fond, vous voulez prendre 800 000 pour le prendre dans la redevance touristique. Puis ce 800 000 $-là, si vous avez dans les journaux, vous allez le mettre en service. Donc, où c'est que c'est censé être économique pour les citoyens ou que ça va potentiellement baisser ses taxes? Parce que c'est quand même votre cheval de bataille. Oui, on va améliorer les services et faire une réduction de taxes, réduire le fardeau fiscal et en avoir plus pour leur argent avec ce qu'ils payent. Mais dans votre stratégie présentement, réduire le fardeau fiscal n'est pas présent, là. Absolument. Pas du tout. Si vous écoutez toutes les autres séances d'avant, je suis sûr qu'elle a mentionné au moins 10 minutes. Et vous l'interpréteriez comment par réduire le fardeau fiscal? Si, exemple, dans une enveloppe, il y a 7,9 millions. Je prends, c'est 7,7 en réalité, je prendrais 8 millions. Il en resterait 6,9. Ça équivaut à peu près à 10% d'un budget. J'ai pas de compétences sur la thématique pour cette question-là. OK, parfait. Donc, si, exemple, dans un budget, on a une enveloppe, là, puis on a une capacité maximale de 7,7 millions, il en reste 6,9, on veut remplacer un 800 000, mais qu'on s'en va chercher ailleurs dans le 7,7, finalement, pour l'ajouter en service, l'économie, elle est où?
On n'a pas dit qu'on mettrait tout en service. Arrêtez-moi ça. On a dit qu'on allait réduire le fardeau fiscal, améliorer les services. Moi, je prends vos déclarations, là. Enlever le 15 % que les citoyens payent sur l'industrie touristique pour leur en offrir davantage. Point barre, là. Continuez. Prochaine question, M. Lafontaine. Dans la première question... Allez-y. Dans la première question, donc, vous avouez que vous n'êtes pas toujours juste parce que le règlement en anglais, il n'avait pas été traduit, mais vous avez affirmé l'inverse. Donc, est-ce que ça se pourrait que ce soit encore une fois pas juste? C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai commis une erreur de... Bon. Ouais. Parfait. Mais ça fait plusieurs déclarations aussi que vous commettez des erreurs. Ça, je tiens à vous le dire. Ah! Fait que... Est-ce qu'on peut vous poser une question? Pourquoi vous mettez tout le temps sur les réseaux sociaux candidat à la mairie et y a-t-il un nouveau poste? Je ne sais pas. Ce qui paraît, elle a ouvert un poste justement temps plein, 70 heures par semaine, pour finalement faire un rôle potentiellement qu'elle n'est peut-être pas disposée à faire. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions de votre part? Parce que vous avez toutes des gens autour de vous aussi qui me posent des drôles de questions comme ça inutiles. Non, mais c'est beaucoup de monde qui m'en parlait. C'est parce que je voulais poser la question. Merci. J'ai répondu. Avez-vous d'autres questions? Non. Parfait. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, est-ce qu'on lève l'Assemblée quand même, Mme Hubert? Alors, oui. Proposeur, s'il vous plaît. Merci, M. Sainte-Croix.